En France, le parti de Laurent Gbagbo a organisé une journée porte ouverte pour mobiliser dans l'Hexagone. Ici, ses militants se prononcent sur l'importance d'une telle journée. Cette journée elle est importante parce que c'est une journée dédiée au PPACI et c'est une grande première ici en France. Et c'est l'idée de la session Paris Sud 3. On a choisi cette journée pour parler du PPACI, pour inviter les sympathisants et leur parler des idéaux du président Laurent Gbagbo. C'est pour rencontrer, pour faire de nouvelles rencontres avec d'autres militants, voilà, pour partager nos idées, voilà, pour apprendre de nouvelles choses. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'événements. Donc il est important de participer à ce genre de rencontres pour pouvoir savoir tout ce qui se fait au sein du parti. En prélude de la mobilisation pour 2025, nous avons initié cette journée-là pour ratisser, pour réunir des électeurs, des potentiels électeurs pour les élections 2025 autour du président Laurent Gbagbo. En tant que militant PPACI, c'est une journée très importante, surtout dans un contexte politique qui est marqué par l'annonce de la candidature du président Laurent Gbagbo. Et cela a été acté par les instances du parti. Donc c'est important pour nous de pouvoir comprendre maintenant quelle est la ligne que nous devons suivre pour pouvoir conduire notre candidat, le président Laurent Gbagbo, à la victoire en 2025. C'est une journée de mobilisation pour tout militant, pour tout militant, militante, pour tout panafricain qui se reconnaît dans le combat du président Laurent Gbagbo. J'ai décidé de rejoindre le Parti des peuples africains car tout d'abord, c'est un parti qui me convient en termes de valeurs, en termes de valeurs humaines, en termes de ce que je représente tout d'abord. Et donc je me suis senti comme chez moi. Donc là, je viens d'arriver, les gens m'ont accueilli comme si on était une famille. Et donc ça, c'est un sentiment que j'apprécie tout d'abord. Et donc comme j'ai dit, Laurent Gbagbo, je le suivrai partout où il ira. Et il a créé le PPACI et aujourd'hui, je me sens obligé d'être avec lui dans ce combat, justement avec le PPACI, avec le parti, avec mes camarades qui sont juste là. Et donc c'est vraiment important pour moi d'avoir rejoint ce parti et donner de mon temps justement à ce parti-là. 2025 et dans quelques mois, le parti de Laurent Gbagbo, en France, s'active donc pour la victoire de son candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, car pour eux, cela se fera par la mobilisation de leurs militants partout dans le monde.